15 août, il est actuellement 5h30 du matin et j'ai décidé de faire une heure de route pour aller faire un seul petit vide-grenier. J'espère pouvoir ramener des choses soit pour la collecte, soit pour la boutique et pas me taper une heure de route pour rien. Je vous emmène avec moi, à toutes. Bon, ben, c'était pas une dinguerie, mais heureusement il y a un stand qui m'a un peu sauvé. Et j'ai pas filmé le stand, je vous ai fait quelques petites vidéos des stands qu'il y avait. Il y avait en fait déjà sur 150 exposants annoncés,
Je pense qu'il y en avait 70 max. Et sur les 70, il y avait 40-50 brocanteurs, quoi. Donc des trucs qui m'intéressent pas du tout. Et 2-3 pros qui vendaient du jeu vidéo sympa, mais un peu cher. Donc j'ai rien trouvé en jeu vidéo. Par contre, il y a un stand où j'ai dépensé, je crois, 40 balles, où j'ai trouvé pas mal de petits trucs que je vous montrerai tout à l'heure. Il y a des trucs en plus pour ma collection perso. Il y a des trucs aussi qui iront très certainement sur la boutique, parce que je pense qu'il y a des trucs que j'ai en double. Bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis voilà, c'était le seul vide-grenier ce matin. Donc là, on va aller chiner. Si j'ai fait autant de routes ce matin, c'était aussi parce qu'il y a pas mal de Micromania, Cultura, Fnac, Cash et tout dans le coin. Donc je vais aller chiner. Je pense pas que je vous filmerai ça, mais dans le compte rendu, si je trouve des choses, je vous montrerai tout ça. À toutes. Ça y est, on va être parti pour le compte rendu de ce vide-grenier. Comme je vous ai dit, malheureusement, c'était pas un vide-grenier de fou, mais ça faisait longtemps que je vous avais pas amené avec moi dans un vide-grenier classique. Les dernières vidéos de vide-grenier, c'était que des vidéos de vide-grenier geek, de brocante geek. Là, c'était vraiment un vide-grenier vraiment classique au classique. Donc, il n'y avait pas grand-chose à filmer, il n'y avait pas autant d'exposants qu'annoncés. Comme je vous ai dit, ils annonçaient 150, il n'y en avait que 70, et sur les 70, quasiment que des brocanteurs. Mais, il y a un stand que j'ai pas pu filmer parce que j'étais en train d'acheter dessus. Et une fois que j'allais acheter, je n'allais pas refilmer le stand. Où j'ai dépensé tous mes sous sur le vide-grenier. En gros, j'ai dépensé 46 euros sur ce vide-grenier. Il n'y a que 1 euro que j'ai pas dépensé sur ce stand. Donc, je suis assez content parce qu'il y a des trucs qui vont rentrer directement pour moi pour la collecte. Et d'autres choses assez sympas qui vont partir pour la boutique. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai ouvert une boutique en ligne. Donc, geekon.fr, je vous le mets dans la description. Donc je suis très content, et après, en faisant le tour des caches, des Fnac, des Cultura, machin, etc., j'ai trouvé pas mal de choses, pareil un peu pour moi, et pour la boutique pas mal aussi, donc je suis très content de cette petite journée de chinage qui a commencé à 5h30 du matin, là il est 13h30 quand je tourne cette vidéo. Mais du coup, le vide-grenier, qu'est-ce que ça a donné? Le premier achat que j'ai fait du coup avant de trouver le stand qui m'a un peu sauvé la matinée sur ce vide-grenier, c'est ce petit livre dont vous êtes le héros. C'était l'un des rares livres que je lisais quand j'étais petit, que je faisais acheter à ma mère, qui est vraiment très très cool. C'est des livres où on fait des choix en fait. À chaque page, il y a des choses qu'on peut entourer, il y a des choix qu'on peut faire, on doit lancer des dés, etc. Je sais que c'est des livres qui sont un petit peu recherchés, j'en ai aucune idée desquels sont cotés, recherchés, machin ou quoi, mais j'en vois très rarement. Donc là, 1 euro en bon état, la galaxie tragique, je l'ai pris directement. Et juste après, j'ai trouvé le fameux stand qui m'a un petit peu régalé, donc j'étais très content. Donc sur ce stand, j'ai dépensé à peu près 45 euros, et vous allez voir que franchement, pour 45 euros, je m'en sors plutôt bien. Déjà, j'ai acheté 2 pops sur ce stand. Il y a la grosse pop de Smog que nous on a déjà, qui est là-bas. Je ne sais pas si vous allez la voir à l'écran. La boîte, elle est éclatée, donc il faudra bien que je fasse la photo pour l'annonce. Mais ça reste quand même une pop très sympa du Hobbit, qui est quand même une licence ultra réputée. Et la deuxième, pareil, une pop que je ne vois pas souvent et qui est aussi d'une licence très très aimée en tout cas, c'est le Jack Sparrow. Moi perso, Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes, j'ai jamais regardé, faudrait que je m'y mette parce qu'on ne dit que du bien. C'est de la pop d'occasion, donc elle a des petits pets, il y a encore les étiquettes. Ça après, moi je vais essayer de tout nettoyer le plus proprement possible bien sûr. Mais du coup, franchement, c'est 2 petites pop très sympas, sachant que sur la boutique on a une jolie catégorie pop en plus qui va s'enrichir avec ce que j'ai trouvé après. Mais donc ça, c'était les achats que j'ai fait sur le stand hors Pokémon, et après c'est que du Pokémon. Et en Pokémon, il y avait des trucs sympas. Déjà, je me suis pris pour moi, parce que normalement, je ne les ai pas, 2 petites figurines. Donc, il y avait ce petit Groudon, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, qui est assez grand, qui est assez sympa. Petit Pokémon légendaire que j'aime beaucoup. Et surtout, une petite Tommy de Pyroli. Donc, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose ici, honnêtement, à la caméra. J'essaierai de vous la montrer de plus près tout à l'heure. Mais c'est une Tommy, donc ce n'est pas les Tommy que je vends comme j'ai sur le site de 99. Celle-ci, c'est une 2005, donc un peu plus récente. Mais elle est très très mignonne, et tant que j'ai pas la Tommy de 99, parce que je pense qu'il doit y avoir la Pyroli, et je garderai celle-là en attendant. Après, une peluche, mais je suis trop content, elle est incroyable, c'est une peluche de méga Dracaufeu. Elle est insane, elle est trop trop belle. En plus, c'est une peluche de Pokémon Center, donc elle date de 2016, Pokémon Center 2016, donc ça sera pas à vendre bien sûr. Ça reste dans la collecte. Tout ce qui est Pokémon et que j'ai pas, de toute façon, n'est pas à vendre. Et elle est vraiment trop trop belle, sachant qu'en fait, dans les ailes, il y a des barres de fer, en gros, pour pouvoir les plier un peu à sa guise. Et c'est du Dracaufeu, quoi. Et Pokémon Center, vraiment incroyable. Elle est trop 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 belle, je suis trop content.
Et après, il y avait un lot de 3 boosters blistés ultra prise. Donc ça, c'est très très cool. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, 45 euros, c'est presque le prix, je pense, de ces 3 boosters. Ça, on doit être dans les 10-15 euros unité facile maintenant sur du ultra prise. Sachant que moi, alors, faudra que je vérifie pour le Necrozma, mais Philaï, c'est sûr que je l'ai. Donc je pense qu'il y a... Normalement, je ne les vends pas, ces genres de trucs. Je les garde, parce que pour moi, Pokémon blisté, ça peut que monter. Mais je vous en mettrai un sur la boutique. Vu qu'il y en a 2 Philaï, je vous le mettrai sur la boutique, comme d'hab, au prix le moins cher possible par rapport à eBay. Et ça peut vous faire un petit item sympa. C'est un très beau Pokémon, Philaï. Donc c'est, ça peut être sympa à garder. Et après, un petit lot de cartes avec du Deden en TG à l'époque. C'était, voilà, c'était la TG07 qui est sympa. Je ne sais même pas ce que ça rend. Est-ce qu'on voit bien? Au pire, je vais me déplacer pour vous montrer ça. On avait ce magnifique Ectoplasma X à 2 euros qui est incroyable. Je ne sais pas si je l'ai ou pas. Sans tout ce que j'ai, pas forcément, on ira dans la collecte. Sinon, ça ira sur la boutique. Ou sur Vox plutôt pour les cartes d'ailleurs, parce que sur la boutique c'est très très chiant de mettre en ligne des cartes. Le petit Bourinos, très sympa à 5 euros. Pijako pareil à 5 balles, très très sympa. Et celle-ci je l'ai pris pour vous parce que moi perso le japonais je fais pas, mais je me suis dit que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un. Ce petit tag team, je vous... d'ailleurs le concours doit être encore actif quand cette vidéo sortira, mais sur l'autre vidéo YouTube où j'annonce la boutique Pokémon, je vous en fais gagner une comme ça, gradée. Elle est gradée en sur 5, donc en moins bon état que cette carte-là, mais c'est toujours sympa d'avoir cette petite carte en gradée. Ça, je pense, ça partira en give sur Vogt, un give acheteur, voilà, ça fera plaisir à quelqu'un qui aura dépensé et qui pourra récupérer cette petite pépite. Mais voilà pour les achats du vide-grenier. Donc pour 46 euros, en vrai, franchement, je m'en sors pas trop mal du tout. Mais c'était pas un vide-grenier de fou non plus, quoi. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par... Allez, les pop. Les pop, j'en ai acheté pas mal. À Micromania, il y avait pas mal de pop d'occasion. En ce moment, ils font le... Enfin, en ce moment, quand la vidéo sortira, je crois que ce sera terminé. Mais ils faisaient le 2 égale 3 sur les pop occasion. Donc, il y avait ce petit Bugs Bunny en Diamond Edition. On avait la White Lantern, comme ça, en 2021 Summer Convention. Et moi, celle qui m'a fait craquer pour l'achat du lot. En fait, souvent, quand il y a du 2 égale 3, que ce soit à la Fnac, Micromania, peu importe, j'essaye de regarder ce qui me plaît. S'il y en a une qui me plaît, je me démerde pour en trouver deux autres. Et celle que je trouvais vraiment cool, c'était cette Teen Titan de Raven. J'ai beaucoup regardé Teen Titan. Donc, celle-ci, je ne suis pas sûr qu'elle ira à la boutique. Je verrai. Mais en tout cas, les deux autres, c'est sûr qu'elles iront sur la boutique. Celle-là, je vais peut-être me la garder. Elle est vraiment trop, trop cool. À la Fnac, j'ai fait un 2 égale 3. Donc là, celle que moi je voulais, c'était cette Dabi, qui est incroyable. My Hero Academia, on adore, vous avez vu, on a énormément de pop de My Hero Academia. Et on n'avait pas eu la Dabi quand elle était sortie à l'époque et qui après coûtait une blinde. Donc je suis trop content qu'ils en aient réédité une autre. Donc j'ai récupéré cette Dabi. Et là, pour la boutique, ça c'est très 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 cool. Il y aura deux Chase, une de Ichigo de Bleach, qui est sympa, assez commune, donc celle-ci elle est juste métallisée comparée à la version classique. Mais celle qui est vraiment très cool, je trouve, c'est Aemon Targaryen comme ça. Donc de base, normalement, il a le bandeau dans les yeux, et là le bandeau n'y est plus, et on voit son œil crevé en Glow Chase Limited Edition. Donc ça, c'est très très cool. Moi j'avais, enfin vous avez pu le voir, ouais, derrière, j'ai la flemme de l'attraper. Moi j'ai la Viserys Targaryen dans la collection en Chase. Aemon, c'est vraiment un personnage que je déteste, donc je la garderai pas dans la collection celle-là. Mais c'est très très cool pour la boutique, ça fait plaisir. Et après, un petit peu de jeux vidéo. Donc là, pareil, il faudra que je vérifie ce que j'ai et ce que je n'ai pas, tout simplement. Et en fonction, vous pourrez trouver ça sur geekon.fr. Donc il y a le petit Gekido sur PS1. Il n'y a pas le livret. Mais bon, en vrai, ça fait le taf. Le G-Star Victory en édition Steelbook sur PS4. Celui-là, il est incroyable. Je ne suis pas sûr de l'avoir sur PS4. Il faudra que je vérifie. Je me demande s'il n'y avait pas une version PS3 de ce jeu. Il y a tellement de jeux, tellement de trucs possibles qu'on s'y perd un peu. Mais incroyable le Steelbook. Le Terminator, un autre futur sur Xbox, complet avec sa notice. Donc très très cool. Chez Micromania, il y a toujours les offres en ce moment. Mais pareil, il sera peut-être fini. Les jeux à 9,99€, ils passent à 3€ sur les vieilles consoles. Du coup, on a un petit Bioshock sur 360€. Complet avec le livret, donc ça c'est très très cool directement dans la boutique. Et après les autres fois que je vérifie, donc le GTA Episode from Liberty complet, il y a même le poster et le Prison Break, tac, juste là. Et après j'ai craqué sur des cartes, donc les cartes je vais vous prendre avec moi, on va s'ouvrir ça parce qu'en fait c'est des boosters, donc il n'y a aucun intérêt à ce que je vous montre juste les boosters, l'intérêt ça va être de se les ouvrir.
Alors, comment on va faire ça? Hop! Et voilà! Qu'est-ce que j'ai acheté en carte? Je vais vous montrer ça. On est un peu à la Walligan. Là, j'ai voulu tenter un petit truc sur cette vidéo de vide-grenier. J'ai acheté du coup deux boosters de cartes de foot. Un à la Fnac, c'était le dernier. Et un à Cultura, il en restait deux, mais j'en ai pris qu'un des deux. Et je me suis pris un double pack One Piece OP7 parce qu'il me semble qu'il me manque une donne à l'intérieur de ce double pack à vérifier. Donc on va s'ouvrir ça, on va commencer par le One Piece d'ailleurs. Et en espérant pourquoi pas avoir une petite boa leader alternative ou manga tant qu'à faire encore mieux. Allez, on va ouvrir ça tranquillement. Toc. Enfin ça s'ouvre pas en fait, je suis en train de galérer, il y a du scotch de partout. Si vous entendez du bordel derrière, c'est Virus qui adore aller à la litière à chaque fois que je tourne une vidéo, que ce soit tout seul ou avec ma femme. C'est toujours le même délire. J'essaie de faire un petit truc propre sur cette vidéo. En plus, je vous ai fait des petits plans, etc. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu sur ce petit compte rendu de vide-grenier. Et lui, il vient me bousiller l'ambiance sur le compte rendu. Allez, tac. Donc, à l'intérieur de ces double packs, vous avez du coup trois paquets de cartes, trois boosters avec le booster du Don. Et là, c'est là où il y a deux possibilités. Et je crois que j'en ai qu'une des deux. Je suis même plus sûr. Et deux boosters. OP07, sachant qu'il va y avoir du très très sale qui arrive. On a OP08 qui arrive bientôt en début septembre qui va être sympa, mais surtout derrière on va avoir PRB01. Alors là, c'est une dinguerie. Et on va avoir OP09, là c'est n'importe quoi ce qu'ils ont annoncé vraiment. Les cartes sont zinzin. Alors la petite donne spéciale, eh bien, je crois que c'est celle que j'avais. Je crois que c'est celle que j'avais à vérifier, mais à mon avis, celle-là, on l'a déjà. Donc, est-ce qu'on peut avoir un peu de chance peut-être sur les boosters? On sait jamais. Hop, ils sont toujours chiants à ouvrir les boosters One Piece quand on n'a pas de ciseaux. Allez, on va s'ouvrir ça tranquillement. Ou pas du tout, même. Si, ça va, ça s'ouvre bien. Alors, tac. Tigimanda, Usopp, Jinbe, Slowbin, Koala, Dice. Dragon Breath, Nico Robin, magnifique, Gina, Baccala et une petite rare de Franky. Et l'autre booster, tac, parfait, il s'est bien ouvert celui-ci. Il m'a pas fait galérer comme l'autre. Est-ce qu'il me cache quelque chose ou pas? J'espère. Bon, après, c'est sur un double pack, c'est dur, je pense, d'avoir du 8, mais bon. Il faut toujours avoir de l'espoir dans l'ouverture de cartes. Allez, le petit keep out. Pandman, Sanji, Hattori, Shave, Salomé. On va avoir Démonique Aura en rare et une petite SR quand même de Porsche. Donc l'une des pires SR possibles, mais c'est une SR quand même, écoutez. Hop, on va se mettre ça de côté tranquillement. C'était pas fou ce double pack, parce que la donne c'est quasiment sûr que celle-là je l'ai. Et on a juste eu une SR. Clacos. Est-ce que les cartes de foot vont pouvoir me porter chance? Je l'espère. On va voir ça. Ça, je vous en ai mis un petit peu sur la boutique des cartes de foot. J'en ai pas mis énormément. Mais je vous ai mis quelques packs histoire que vous découvriez un petit peu. Pour ceux qui connaissent pas, mais les cartes, il y en a de... Il y a tellement de collections de cartes de foot différentes. Là, c'est du score Ligue 1, ça s'appelle. Donc, ça va être des cartes autour de la Ligue 1 sur la saison qui vient de s'écouler. Donc, on a encore du Mbappé au PSG. On a Warren Zaïre-Emery. Qui n'est pas en rookie. Oh, mais voilà, une petite numérotée de Brice Samba, la 24 sur 50. Donc ça, c'est le genre de carte qu'on recherche quand on ouvre des cartes de sport, c'est des cartes numérotées. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. Là, c'est sur 50, donc c'est pas mal. Mais on va dire que sur le score Ligue 1, c'est du classique, quoi. On peut avoir sur 35, sur 25, sur 10, sur 5. Et bien sûr, les one of one, on n'en a jamais eu. Et après, on peut avoir des auto-numérotés. Et là, c'est encore le Graal au-dessus. Alors, je pense pas qu'on aura autre chose, du coup, ça va être plutôt de la carte classique. Après, on a des prismes comme ça, bref. Je vous ai fait des petits lots pour ceux qui veulent découvrir les cartes de sport. C'est toujours intéressant de garder les rookies, c'est les premières cartes de joueurs généralement. Donc, sur des petites pépites, là, par exemple, sur du Bradley Barcola, très intéressant à garder. Mais pour ceux qui aiment la collection de cartes et le sport, franchement, avoir des cartes de joueurs qu'on apprécie numérotées ou des cartes un peu stylées avec des inserts cool, c'est vraiment incroyable. Et donc là, petit Brice Samba, en plus, qui avait fait une saison de fou avec Lens. Donc, très, très cool. Et on va s'ouvrir le deuxième paquet. Donc, ça coûte 10 euros. Enfin, Us la touche un peu. Normalement, c'est 9, voire 8 euros des fois. Et il y a 30 cartes à l'intérieur. Hop.
On va être parti pour le deuxième paquet avec Youssouf Yazici. Donc au début, on a souvent des cartes pas ouf. Ah, Magasa, vous voyez, ça c'est très bien. Un petit rookie qui joue à Monaco, qui a fait. Merde, comment on appelle? Qui a fait les JO, qui a pas mal joué et tout, donc c'est sympa, c'est une bonne carte à garder. Si on peut l'avoir par exemple en numéroté, ça c'est incroyable. Le petit Manuel Ugarte en holo. Tagliafico, Quentin Merlin, Lenihoro, très très bon joueur. Pareil, ça, si t'as du Lenihoro rookie en numéroté, il faut garder. Amine Gouiri, on va voir Sofiane Diop. Ouh, encore une numérotée. Qui c'est qu'on va avoir? Jonathan David, mais très très bon. En vrai, on a eu deux bons joueurs. Je suis très content. Jonathan David sur 50 une fois de plus. Donc ça, c'est très très cool. Sachant que des numérotés, il n'y en a pas dans tous les paquets. Là, j'ai vraiment de la chance. Hein. Mais ah, la petite Keepers de Donnarumma. Et après, je pense qu'on va avoir que du classique. On va avoir petit Randal Kolo Muani, petit Van Derson. Oh, Elie Wahid, très très bon l'année dernière. Il était en rookie. On l'avait eu avec mon frère. Bradley Barcola, on en parlait en rookie. Donc ça, c'est des très bonnes cartes à avoir. Bref, si vous aimez le sport, ça peut être sympa. Moi, j'ai mis quelques cartes de sport sur la boutique, mais après, la plupart, ça sera sur du Vox qu'on va les passer. Mais voilà, on a réussi à choper deux numérotés bleues, donc sur 50, donc c'est très très cool. J'espère que cette petite vidéo, un peu compte-rendu de vide-grenier, mi-vlog, mi-ouverture de cartes, vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!